Les paroles de Dieu porteront leurs fruits. Si et seulement si elles tombent sur des terres fertiles. Si elles tombent sur de bonnes terres. Et la question de ce matin où nous devons nous poser, suis-je une bonne terre ou je ne le suis pas? Ce qui est impossible devient possible quand il y a une parole qui est sur toi. Et je crois cette parole. Yes. Tu dois marcher avec la parole qui est sur toi. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Le diable ne peut pas venir installer le doute. Il ne peut pas venir t'amener des croyances. Ne laissez pas les soucis vous dominer. Jamais. Ce qui est perdu est perdu. Ce qu'on commence à perdre, qu'on est perdu, il n'y a pas de problème. Quand je perds quelque chose, je sais que ce n'est pas fini. Je peux récupérer ce que j'ai perdu fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. J'ai un Dieu qui donne toujours. Je crois que quand tu perds quelque chose, jusqu'à ce que la chose va te tirer dans la tombe. Non. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Tu vas rester debout, tu prends ta Bible et nous faisons notre lecture principale et puis nous allons nous rasseoir. Luc chapitre 8. Nous allons lire le verset 4 au verset 15. Luc chapitre 8. Le verset 4 au verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Je lis avec ma version le Semer. Une grande foule ayant afflué chaque ville et s'était rassemblée autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, les grains tombèrent au bord du chemin, firent piétiner par les passants, et les oiseaux du ciel le mangeaient. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que le petit plant séchait. Parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombaient au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que de bonnes plantes et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produit sans autre. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole.
Il leur dit, vous avez reçu le privilège de connaître le secret du royaume de Dieu, mais pour les autres, ces choses se sont dites en parabole. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont des personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher. Mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'accepte avec joie. Mais comme il ne la laisse pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu de ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie. De sorte qu'il ne donne pas de fruits. Enfin, la semence est tombée dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Ce matin, je me réveille partager avec vous sur ce que j'intitule sois une bonne terre pour vivre le fruit de la parole de Dieu. Sois une bonne terre pour vivre le fruit de la parole de Dieu. Et vous allez remarquer ici, il s'agit de la parole de Dieu et la manière dont cette parole doit porter le fruit. Et comme vous le savez, le souci n'est pas d'écouter la parole ou de l'écouter du matin au soir, de l'écouter du 1er janvier au 31 décembre. Mais le plus important dans la parole, c'est de vivre les effets de cette parole. Sinon, la parole va rester une lettre morte. Mais notre souci et la préoccupation de tout le monde, c'est de vivre la réalité puissante de cette parole. Vous verrez que la parole de Dieu est composée de plusieurs histoires, de plusieurs paraboles, de plusieurs vérités et réalités. Et comment est-ce que cette parole que nous lisons, cette parole que nous méditons, cette parole que nous écoutons ce matin peut arriver à produire les effets dans notre propre vie? Comment cette histoire d'Abraham, édifiante, peut devenir la mienne dans la vie pratique aujourd'hui? Comment les malades qui ont été guéris hier, pour lesquels nous lisons la parole, et comment nous aussi nous pouvons jouir de la même guérison dans notre vie aujourd'hui? Comment la puissance d'en haut, la puissance de Dieu, vécue dans la parole que nous lisons tous les jours, comment ces vérités peuvent devenir matérielles dans notre propre vie? Et c'est ça la problématique dans cette méditation pour nous amener à parler de ce thème. Soit
moi une bonne terre pour vivre le fruit de la parole. Et par là, nous comprenons que la parole de Dieu peut à un certain niveau ne pas avoir le fruit escompté. Nous comprenons d'or et déjà que la parole de Dieu, elle reste telle qu'elle, mais tout dépend de quelle terre cette parole est tombée. Nous sommes en train de parler de l'efficacité de la parole de Dieu. Comment cette parole peut être efficace dans la vie de quelqu'un, mais pas dans la vie de quelqu'un d'autre? Pourquoi les uns témoignent au nom de la parole et d'autres ils sont en attente jusqu'à aujourd'hui? Des années et des années. Tu viens à peine de danser, tu ne peux pas commencer à dormir. Je suis juste allé à l'introduction de mon message et commence à dormir. Ce n'est pas normal, et pourtant il dansait. On ne vient pas à l'église pour danser. La danse fait partie de notre louange, de notre adoration, de notre célébration à Dieu. Et si tu es prêt à venir danser et la parole ne t'intéresse pas, je comprends que tu danses comme les païens qui dansent dans les bistrots. La parole de Dieu, c'est la chose la plus capitale pour ta vie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit tout passera. Et donc même les temps ceci passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Tu ne peux pas te permettre de dormir pendant qu'on te communique la parole. Et ce qui me gêne, je suis en train de me poumonner déjà pour expliquer pourquoi tant de paroles dans ta vie, mais ces paroles n'ont pas produit des effets. Ce thème devait déjà attirer ton attention pour te dire que ben écoutez, et je suis préoccupé par ça, j'aimerais comprendre le secret réside où. Tu as écouté la parole et tu en as écouté autant, mais est-ce que tu peux nous montrer les effets de cette parole dans ta vie? Bien-aimé, moi je peux te dire, si je suis debout, c'est à cause de la vérité de la parole. Si je tiens en dépit de tous les défis, c'est parce que cette parole produit ses effets dans ma vie. Et en même temps, si je dois te communiquer mon secret réside dans la parole de Dieu. Ma force est dans la parole de Dieu. Ce qui peut changer ta vie, c'est la parole de Dieu. Ce sont les vérités de la parole qui peuvent changer ta vie radicalement. Laisse-moi te dit, ce qui peut finir le mal, la souffrance de ta vie, ça s'appelle la parole. Mais je suis en train de m'interroger avec toi, qu'est-ce qui fait que cette parole n'a plus de puissance en toi? Pourquoi nous parlons de la puissance? Quelques échantillons seulement, on peut le remarquer, et c'est minoritaire à l'église, mais la plupart des gens écoutent la parole. Écoutez, c'est comme des discours, des simples discours sans puissance. La parole de Dieu en elle-même, elle est puissante. Mais pour que cette parole produise les effets dans ta vie, cette parole doit rencontrer ce qu'on appelle la bonne terre. Ta vie, ton cœur doit être vis-à-vis de la parole de Dieu, cette bonne terre qui reçoit la bonne sémence. Bien-aimé, pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer, j'aimerais te dire, et chaque fois qu'une graine rate d'être germé, le problème n'est pas la qualité de la graine.
Souvent, ce n'est pas la qualité de la graine qui fait en sorte que cette graine puisse germer et produire. C'est la qualité de la terre qui reçoit la graine. Mais si on vous présente la meilleure graine du monde, la graine, je ne sais pas moi de quelle plante, tout dépend de là où cette graine sera plantée. Vous verrez la qualité même de l'arbre, de la plante que cette graine va donner est sujet de la qualité de la terre. C'est comme cela que la même graine sur l'île d'Ontaire elle nous donne une plante que tout le monde est en train d'apprécier. Mais la même graine plantée au milieu de cailloux, cette graine se détruit. La même graine plantée dans une terre qui n'est pas en bon état nous donnera un arbre, une plante qui n'est pas en bon état. Et vous voyez que la puissance de la graine est amorti par la qualité de la terre. Et quand nous parlons de la graine ou de la semence, il s'agit de la parole et de toutes les paroles de Dieu que nous écoutons. Les paroles de Dieu porteront leurs fruits. Si et seulement si elles tombent sur des terres fertiles. Si elle tombe sur de bonnes terres. Et la question de ce matin où nous devons nous poser, suis-je une bonne terre ou je ne le suis pas? Tu dois te poser cette question aujourd'hui. Et tu comprendras pourquoi toutes ces paroles ne produisent pas les effets dans ta vie. Comment nous prononçons la parole de la guérison? Vous êtes quatre sur la même rangée. Cette parole produit des effets sur quelqu'un. Et trois personnes ne sentent pas les effets de cette parole prononcée. Mais le problème, c'est la terre qui reçoit la parole. C'est comme cela, ça se passe même à l'église. Quand nous sommes en train de prêcher la parole, vous verrez, il y a certaines terres qui réagissent à la parole. Quand la parole tombe, vous verrez qu'il y a certaines terres, certaines personnes qui reçoivent cette graine et qui s'approprient de cette graine. Et vous verrez que la terre est en train de bouger. Vous verrez quelqu'un crier amen. Quelqu'un sur une parole commence à prier. Sur une parole, il vient sceller. C'est la connexion entre la parole qui tombe et la qualité de la terre qui reçoit cette parole. Mais combien de bonnes paroles sont prononcées mais qui tombent à cause de ta distraction, à cause de plusieurs paramètres exogènes qui viennent empêcher, étouffer cette parole. Et chaque jour tu peux être à l'église, une bonne parole est prêchée et prononcée particulièrement sur toi. Mais la parole ne produit pas des effets. Le problème n'est pas la parole. Le problème n'est pas la graine. Ce n'est pas la graine qui est mauvaise. Ce n'est pas la graine qui n'est pas de bonne qualité. Mais tout dépend de la qualité de la terre qui reçoit cette graine. Est-ce que tu es une bonne terre ou pas? Pourquoi tant d'années, tant de semaines, tant de mois, nous prononçons des paroles sur ta vie? Je m'interroge en tant que ton père. Pourquoi ces paroles ne produisent pas des effets? Et je pense que c'est un souci qui m'a préoccupé. Et le Seigneur, pour me répondre, il m'a envoyé quand je méditais sur ça. Le problème n'est pas sur la qualité de la graine. Le problème n'est
n'est pas sur la puissance ou l'inefficacité de la parole. La parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la même parole qui a fait marcher les paralytiques. C'est la même parole qui a ramené à la vie ceux qui étaient morts. C'est la même parole qui délivre. C'est cette même parole que nous t'annonçons chaque jour. Et pourquoi chez toi ça ne produit pas des effets? Le Seigneur me dit, c'est la qualité de la terre. C'est la qualité de ton cœur. Est-ce que tu es une bonne terre ou pas? Mais si tu n'es pas une bonne terre, à quoi serviront toutes ces bonnes paroles que nous prononçons sur toi? Et pourquoi tu vas continuer à pleurer que ma vie ne marche pas, ça ne marche pas dans ma vie? Quand ça ne marche pas dans ta vie, frères et sœurs, le problème n'est pas la parole qui a perdu la puissance. Non. La parole de Dieu reste puissante. Elle reste puissante même prononcée par des personnes qui ne sont pas puissantes. C'est comme cela quand un démon, un sataniste fait l'erreur de prononcer la parole de Dieu dans leur lieu occulte, les fruits sont probants. Il y a tout le monde et le diable saute dans son trône. Il tombe par terre parce qu'on a cité le nom de Jésus, on a cité la parole. La parole en elle-même, elle a la puissance de changer. Comment bénéficier des effets? Comment porter le fruit de la parole? Le problème, c'est au niveau de nos cœurs. Nous devons travailler nos vies, travailler nos cœurs. Pour que nos cœurs deviennent une terre fertile. Sois une terre fertile. Sois une bonne terre pour vivre le fruit de la parole. Le fruit de la parole, c'est tout ce que nous cherchons. Tu cherches la sécurité, c'est dans la parole. Tu cherches l'élévation, c'est dans la parole. Tu cherches la richesse, c'est dans la parole. Tu cherches les promotions, dans la parole. Tu cherches la guérison, c'est dans la parole. Tu cherches la délivrance, c'est dans la parole. Est-ce que tu cherches qui est en dehors de la parole? La Bible dit, au commencement, c'était la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Tout ce que tu peux chercher dans la vie, tu le trouveras dans la parole. Dieu a caché ton bonheur dans la parole. Dieu a caché ton succès dans la parole. Et le diable vient. Le diable, il sait qu'il n'a pas capacité de vider la puissance, la parole de Dieu. Mais ce que le diable est capable de faire, c'est venir détruire ton cœur. C'est venir indisposer ton cœur. C'est venir rendre ta vie comme des rocs et des caillasses qui ne peuvent pas recevoir la parole. Sois une bonne terre, frères et sœurs. Sois une bonne terre pour vivre les effets de la parole. C'est comme cela, le Seigneur Jésus a donné cette parabole pour expliquer qu'un semeur sortait. Il a commencé à jeter sa semence. Et sa semence est tombée à quatre endroits différents. Le premier endroit, c'était tombé sur la route, au bord du chemin. Et vite que cette semence est tombée, les hommes sont passés, ont piétiné dessus. Après que les hommes les aient piétinés, les oiseaux sont venus le manger. C'était la parole. Il dit cette catégorie de gens, ce sont des gens, en termes de la parole de Dieu, quand nous prêchons,
Quand nous déclarons des paroles dans leur vie, ça ne tombe pas dans leur cœur bien préparé. Mais ce sont des gens, aussitôt quand cette parole vient, le diable va sauter sur eux. Qu'est-ce qu'il vient faire? Le diable, c'est comme des oiseaux qui viennent arracher. Ils ne veulent pas laisser ces graines mourir dans la terre. Ils viennent rapidement pour le manger. Combien de gens sur qui le diable mange toutes les semences qu'ils reçoivent, les semences de la parole. Et quand le diable arrache cette parole, il arrache la parole de leur cœur. Et qu'est-ce que le diable installe en eux? Il installe deux choses. Premièrement, ce sont les doutes. Le diable vient installer les doutes. Et deuxièmement, il vient installer d'autres croyances. Ésaïe chapitre 55. Je vais lire le verset 10 et le verset 11. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Verset 10 et le verset 11. Verset 10 et le verset 11. La Bible dit ceci. La Bible. Or la pluie et la neige, qui descendent du ciel, n'y retournent jamais, sans avoir arrosé et fait souhait. J'avais une foi très élevée. Et je me suis rappelé, au même moment qu'on voulait passer ces croyances dans ma tête, je me suis rappelé de toutes les paroles que Dieu m'a dit. À ce moment-là, je n'étais pas pasteur. Mais Dieu m'avait dit que je serais pasteur. Et parmi mes fidèles, j'aurais des Sarah Bobé. J'aurais des Sarah plutôt de. Et j'aurai des enfants X et Y. Je n'étais pas encore pasteur. Mais j'avais la vérité de la parole. Il m'a dit, je t'ai appelé. Je t'établirai. Je ferai ceci avec toi. Mais cela ne venait pas encore. Le diable veut passer les croyances. Et la vie s'arrête là. La certitude. Je faisais foi à la parole. Ça, ce sont des messages qui sont particuliers. Et ça va, message, il y a peine. La parole de Dieu trouve ta particularité. Toi, qu'est-ce qu'il a dit? Je savais ce qu'il avait dit pour moi. Et grâce à ça, je me suis dit ce que le médecin a dit, c'est faux. Parce que ce qu'il a dit ne s'est pas encore réalisé. Et ma prière ce jour-là, j'ai dit à Dieu, souviens-toi de moi. J'aime cette forte et courte prière. Je n'ai pas chassé les démons. Je n'ai pas tremblé devant les esprits de mort. Mon ami, de situations impossibles ont aussi leur fragilité. Il faut défendre le point faible. On sait que le diable amène. Il y a un point faible. Il faut exploiter. Le point faible se réside dans la force que tu as, particulièrement dans la part. Oh Dieu, amen. Voilà pourquoi il faut chercher que Dieu parle sur toi. Il faut toujours marcher avec la parole que Dieu a prononcée sur toi. Tu sais, on nous a dit non, à ce moment-là, tout le monde commence à penser. Je serai rassuré. Trois personnes. Après, troisième personne, c'est moi. Je serai sûr. Mais avant que la troisième personne ne soit achevée, une main viendra. Parce que j'ai une parole qui est sur moi. Je suis certain.
que d'autres pleurent. Je commence là à transfigurer spirituellement pour appeler l'intervention du ciel, pour appeler le ciel. Le point A, je l'ai vécu. Le point B, je l'ai vécu. Mais c'est pas encore. N'est pas encore. Alors ma vie ne finira pas comme ça. Yes. La connaissance de la parole, ce que Dieu a dit pour toi, deviendra une force devant l'impossibilité. Donc que tout le monde baisse la garde. Tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à trahir tout le monde. Tu resteras stable. Parce que tu diras ce qu'il a dit. Le point A, je l'ai vécu. Le point B, je l'ai vécu. Le point C, je l'ai vécu. Laisse-moi te dire tout ce que Dieu m'a dit, il l'a fait. Et ce qu'il m'a dit qui n'est pas encore réalisé, alors ce qu'il a déjà fait me motive chaque jour. Et ce qu'il n'a pas encore fait, il le fera. Et l'avantage que nous avons, quand tu as une promesse qui est en train de courir, une promesse qui ne s'est pas encore réalisée, c'est aussi pour toi une garantie que la mort n'a pas de puissance sur toi. Ah, si tu es porteur d'une parole, tu es quelqu'un qui sort le matin, tu es sûr, je vais rentrer. Parce que l'accomplissement de la parole ne s'est pas encore réalisé. Mon ami, un chrétien peut mourir de n'importe quelle manière, mais un enfant de Dieu ne meurt pas de n'importe quelle manière. Tu peux finir ta mission. Jésus arrive à la croix, il dit: tout est accompli. En d'autres termes, c'est pourquoi j'ai été envoyé sur la terre. J'ai tout réalisé. Parce que je ne peux pas rentrer, je ne rentrerai pas. Mais moi sur la route numéro 1, j'ai la matière dans un catch à mon cœur, un remorque à mon aide, hyper chargé, y a kilo, en vitesse. Et ce remorque vient finir sa course sur un catch, à du côté où j'étais. Mais la promesse était là. J'ai vu les remorques venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir, c'est se faire écraser. Rester, tu peux te faire écraser. Mon esprit est sorti. Mon esprit est entré dans la promesse. Et la promesse de Dieu a neutralisé. Le remorque arrive. Le choc a été retenu par la main de Dieu. Toutes les glaces se cassent. Vous sortez de la voiture, vous vous posez la question: est-ce que c'est moi ou bien je suis du côté des morts et je suis en train de voir l'histoire autrement? Tu te regardes, tu bouges les mains, tu bouges les pieds, tu cherches est-ce que le sang saigne quelque part. Il n'y a pas de sang. Tu regardes, tu cherches un miroir. Nous sommes en plein village, il n'y a pas de miroir. Regarde-moi, est-ce que mon visage est droit? Est-ce que toi, qui me suis éteint? Non, il n'y a pas de honte. On sort de là. Oui, je sors de là. C'est impossible. Non. Ce qui est impossible devient possible quand il y a une parole qui est sortie. Et je crois à cette parole. Yes. Tu dois marcher avec la parole qui est sur toi. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Le diable ne peut pas venir installer le doute. Il ne peut pas venir t'amener des croyances. Non, bien-aimé. Ce n'est pas quand le corps souffre. Ce n'est pas quand le corps devient malade. Ce n'est pas quand tu perds ta femme, tu perds des enfants, tu perds ta richesse. Ce ne sont pas des signes que Dieu t'a abandonné. Non, Job était l'homme qui était
publicité par Dieu. Mais ce que les hommes ont vu dans la vie des gens, ils ont maudit d'être pillés, d'être droits avec Dieu. Parce qu'ils ont vu l'homme qui était saint, l'homme qui craignait Dieu, l'homme qui était un exemple. Les gens se sont dit, il n'y a pas si il y a eu les gens qui sont ça va. Mais il y a eu les comment tu peux te retrouver dans cet état? Dieu était là en train de les regarder. Tout peut arriver. Dieu peut permettre au diable de mettre sa main sur ta vie. De mettre sa main sur ta peau. Sur ta santé. Le diable peut tout toucher. Il peut toucher ta richesse. Mais pendant qu'il touche ta richesse, Dieu le regarde. C'est Dieu qui lui autorise. Premier signe. Il peut tout faire. Mais sache dans ce qu'il fait, il ne touchera pas à ta vie. Tout peut arriver. Mais la mort ne viendra pas. C'est ainsi que tu passes beaucoup de moments de douleur, beaucoup de moments de souffrance. Tu te poses la question, c'est l'homme qui arrive à dire nalembi nakufa ta kokufa ko prononsa kayango te ko nemba capacité ata passe le misio yika pico. Tu t'en sortiras de là et tu auras le double de ce que tu as perdu, parce que la parole de Dieu était là. C'est le doute qui amène quelqu'un à dire nakufi nangai, tu ne mourras pas. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, les gens verront même ta souffrance. Les gens auront pitié de toi, Job. Tu es Job de notre génération. Tu es Jobet de notre génération. Ça, c'est que cette situation finira par changer. Ça prendra le temps que ça fait prendre. Mais ça finira pas changer. Yes. Ne cède pas dans le doute. Ne sois pas incertain. Ne commence pas à ruminer tout ce que tu as appris de ta pathologie. Ne commence pas à compter combien de morts que ta pathologie a amené. Les gens meurent de toutes les pathologies. Il y a des gens qui sont morts sans maladie. Il y a des gens en bonne santé, ils dorment, ils partent. Quelqu'un d'autre avec mot de tête seulement, il part. Fièvre seulement, il part. Fièvre appendicite, il part. Donc tout peut amener tout. Et tout. Mais il y a des gens guéris du sida, guéris des cancers, guéris de COVID, guéris de toutes les maladies qui ont emporté les autres. La parole doit rester sur toi. Ne cède pas au doute. Ne sois pas incertain. Reste. Dès que tu cèdes au doute, la parole perd sa puissance. La parole plane. Elle ne sait plus agir. Parce que pour que la parole agisse, elle doit trouver chez toi une réception. Tu dois recevoir la parole avec une bonté. Mais dès lors que tu mets le doute, la pluie peut tomber. Et la pluie peut vider la sécheresse partout, humidifier la terre partout. Mais là où toi tu mets le doute de tol, le doute de parapluie, tout le monde vivra les effets de la parole. Mais chez toi on trouvera la sécheresse. C'est toi même qui a mis le parapluie. Le doute, c'est un parapluie qui empêche à la parole de produire les effets. Et c'est les mécanismes utilisé par le diable pour voler la parole. Deuxième chose, la parole était tombée sur des pierres. Sur des pierres. Cette parole ne pouvait pas produire des effets. Parce que la terre n'était pas humide. Les petits plantes qui commençaient déjà à germer sèches. Et la Bible parle ici des questions, des cas de brève qui nous arrivent
devant lesquels nous abandonnons la parole de Dieu. La parole qui est prononcée sur ta vie peut trouver des épreuves, peut tomber sur toi et t'amener sur un terrain d'épreuve. Mais la même parole qui te fera grand, la même parole t'amène sur les épreuves de la grandeur. Tu as appris que tu seras grand. Ce que Dieu ne t'a pas dit, que la grandeur a des épreuves. L'accomplissement de cette parole qui doit te faire grand doit te pousser sur le terrain des épreuves de la grandeur. Et si tu ne réussis pas les épreuves, tu abandonnes, la parole ne s'accomplira pas. La parole va s'accomplir une fois que cette parole t'amène sur le terrain d'épreuve. Tu réussis les épreuves. La réussite aux épreuves qui fera de toi grand selon la parole. Dieu vient et dit à Abraham, je te ferai grand. Ça, tout le monde veut l'entendre de Dieu. Je te ferai grand. Dieu qui donne la parole, qui donne la promesse, il ne dit pas à Abraham les épreuves de la grandeur. Il dit à Abraham, quitte ta maison, ta patrie, la maison de ton père. Va dans un lieu que je t'indiquerai. Les épreuves commencent. Il reçoit des promesses. Il va traîner 25 ans sans accomplissement. Moïse reçoit les promesses qu'il sera le libérateur. Il va faire 40 ans. La promesse ne s'accomplit toujours. Cette durée, c'est le temps des preuves. Dieu te fait passer sur les preuves. Laisse-moi te dire, le diamant qui n'est pas apprécié dans la terre, le diamant qui est dans la terre, qui n'est pas apprécié par l'homme, n'a pas changé de valeur. Ce n'est pas parce qu'on l'apprécie pas qu'il change de valeur. Même quand les hommes n'apprécient pas ces diamants, le diamant a toujours sa valeur. Mais pour que ces diamants deviennent appréciables à tout le monde, il doit passer par le processus de purification. C'est ce qu'on appelle les prêts. Quand Dieu veut te rendre grand, Dieu te donne déjà la valeur que tu as. Mais cette valeur ne va pas attirer les gens. Les gens ne vont pas t'apprécier. Ils ne préféreront pas venir passer la nuit avec toi là où tu es. Mais Dieu permettra que les diamants passent par le four, passent par le feu, qu'on puisse les tapoter des d'une manière ou d'une autre, pour que demain tout le monde puisse souhaiter dormir avec son diamant à la tête de son lit. Mais c'est le même diamant que les gens n'appréciaient pas. Tu as la parole de la grandeur, mais Dieu te fera passer par le bref de la grandeur. Le bref de la grandeur, ça prend du temps, ça fait pleurer, ça crée la solitude. Les gens vont t'abandonner. Tu te retrouveras seul, en train de marcher à pied, sans compagnie. Pourquoi? Parce que tu ne brilles pas. Mais cela ne veut pas dire
que tu n'es plus diamant. Que tu es diamanté. Tu es toujours diamant. Osakaka diamant. Mais Dieu te fait passer dans les processus. Le processus de rayonnement. Le tu dois subir le feu dans ta vie. Moto le diamant subit le feu. Tant diamant le kina moto. Aucune main de l'homme qui veut porter la montre de diamant peut accepter de mettre sa main dans ce feu là. Le diamant sera seul dans ce feu là. L'or sera seul dans ce feu là. Il subira le feu à une température que l'homme n'acceptera. Mais le jour où il sortira du feu, il sera rayonnant. Tout le monde cherchera à le mettre sur le doigt comme une bague. Tout le monde mettra la montre en or. Tout le monde cherchera la chaînette en or. Tout le monde voudra avoir de l'or. Mais il y a toujours l'épreuve de la grandeur. Et quand la parole tombe et qu'il faut passer l'épreuve, il ne faut jamais céder. C'est pendant l'épreuve que beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent pendant l'épreuve. C'est aussi mon insulte de l'année. Nagoyaka. Comme j'ai suivi un jour, je pense à un politicien. Politique. Il disait, on lui pose la question s'il soutient telle autorité. Il dit non. Habité. La soutenir qui est Ming. Je vais pouvoir soutenir. Mais tout y a soutenir Ngaï. Maintenant c'est son tour de le soutenir. On arrive à être fatigué. C'est ce que les autres ne comprennent pas. Des gens qui ils étaient dans tel rassemblement. Ils traversent. À quel boy? Non. Il a patienté. Il a dit ah. Donc vous faites ça. Je peux traverser même en pirogue la nuit. On le voit, c'est tiens, de ce côté là-haut, oui. J'ai décidé. Oh, tu as trahi. Non, je n'ai pas trahi, j'ai anticipé. Des expressions mais qui changent. Non, je suis du bon côté de l'histoire. Tout ça, c'est comme la malicholo. Le bref. Comme Kama. Nous échouons pendant l'épreuve. Donc, quand l'homme lâche. Donc, mon tiki. Au banginzambe, au tambour la kubanganzambe, tu marches selon sa parole, selon la crainte. Donc, au tambour la kubangaie, l'ense le banaie. Mais parce que ce qu'il t'a dit traîne à arriver. Donc, on a ouais, c'est que vous venez dans nous. On commence à te proposer des choses. Bande quand elle chante ma cam. Comme mon directeur disait, il y a le triangle de la fraude. Le triangle, y a Kanyaka. Le triangle de la fraude commence. La première barre, c'est la pression. Et quand quelqu'un attend la promesse de Dieu, il y a aussi la pression qui vient. On a peu pression. La pression de l'âge. Jésus pousse. La pression de l'âge. Non, tu vois, on s'est marié entre tel âge et tel âge. Le travail, c'est entre tel âge et tel âge. Quand je commence à regarder mon âge, ton âge devient la barre de la pression. Dans les épreuves, il y a la pression qui intervient. Il y a la pression de la famille. Ok, on va plus. Église, au milieu de la grande église, c'est la pression. On a la pression. La famille commence à te pousser à la faute. Libota est comme côté du coup salambe ba. Pour moi, tu as une église, tu as un frère qui est mort. Frère, tu as une église, tu as une église. Tu
que hier mon frère, ma frère personne mon aïe. Bah, au talana. Observation. La pression commence à monter. Et ben, Nikomata. Nikomona moto. Il a la promesse, mais le corps va dire c'est yo ta frère, moi j'ai comme ça mon frère. Frère Daniel, ah, attends, y'a quoi, c'est qu'à t'es comme moi, kaka. Quand même, nous on a pour se casser, tout le monde a molé en aïe. Je suis ma frère, je suis mon aïe. Ce prier, c'est de la côté, ma frère. Bonjour. Bonjour. On se cacanini. On y va, bonjour, Gabou. Frère, voilà, pas à fatiguer la parole à ce là. Et donc, ça complique. Bonjour. Bonjour. Continuez à espérer en Dieu. C'est la pression qui amène des gens à abandonner. Pression de comme Kotika Moto, Tikanaye. Nous avons la mort, ça va plus à ce moment-là. À ça, pas ce moment-là, à ce moment-là. Nous, à ce moment-là, passer à ce moment-là, passer à la Koyaka. La Koyaka. Je vais me comme le message au pasteur. Je vais te voir quel jour vous serez à la maison. Je dis non, dans une bonne église. Où tu n'as ni nanda quoi. Ah, y a beaucoup mina robe à fitir. Oh Nini. Oh. Oh, c'est frère Daniel. Et ça ni qui est ami. Et bandit dengeni. Dengeni. Oh mon ami Mokolona, au Salaka Saint-Sen, de tango, et Milaga Vino, Yenda Zuaka Ver, Sikoyo, Tango Azuive, Regar, Talakangawana, Namona Zaga Regar Makamp. Et Managi Gawana, Nasuga, Tunye Motelang and Tengwana Verbia, au Comprenagi, au Comprenagi, Joto à Christo, Makila à Christo. Alléluia, amen. La pression. Pression. Il ne faut jamais céder à la pression. Pourquoi y a-t-il la pression? C'est la pression qui va te pousser à commettre des fautes. L'ennemi vient avec la pression. Les gens qui attendaient la promesse, ils ont abandonné. N'abandonne pas. Kotikate. Le diable cherchera à tout prix. Pendant l'épreuve que tu puisses abandonner. Sois comme Abraham. Il est allé avec Dieu jusqu'au bout. Et aujourd'hui, Hébreux 11 dit, c'est par la foi que Abraham, Dieu l'a imputé à justice. Il est devenu un monument. Il y a eu Noé dans sa génération. Il avait la parole de Dieu. Tout le monde se manquer de lui. Quand on se croise caillé. Bande ou tata mouro depuis azoa, c'est que bande qu'on a l'autre indoto. L'autre nin. On zambe à l'autre singa indoto à l'obia au bon mokili. Yo. Référence y a zambe au bon mokili avant Noé les athées. Et ça a raté. Tabi, on veut même pas Nero psychiatre moto et bandit. Et bandit. Na famille na yeko comprendre. Tata wana Noé bandit gozoa. Kosomba mabaya. Oh, ma baya, y a bateau. Papa. De ma gambo, le bain de ton au Landaragoga. Oh, et à l'obadaga, à Rosal. A Rosal. Abandigo tonga bateau, tout abîmé. Oh, il est bon, mais suis. A comme 6-9. Personne ne pouvait le croire. Mon tonton continue. Même pas sa femme et ses enfants. Amen. Si un mourant vico yana boutou, maman zonabi, ah, les lots. Kokata mabaye le mbesi yongo wabi yobe magna makambuna nani kambwa ndoto yo na zoe bati mwini nake ibaniko deranje kuple na biso mwini so kuyaka kakona lembi yo mabaye na bandaki kokata kubati yo pona maka mzamba lobaki ni nzamba ngolo beli kaka yo basi ya lelo oye misa nzambi alobe la pengai kamarad na yo asi alobe linga esi oye misa ya alobe la pengai bebandaboni tout ça pour le décourager. Mais pendant que tout le monde s'est moqué de lui, Noé n'a pas lâché. Et un jour, tout le monde a dit, Noé avait raison. Noé a raison. Reste dans la parole que Dieu dit. Que les épreuves ne te poussent pas à abandonner. Moi, je dis toujours, si tu arrives à l'extrême, tu veux lâcher, dis-toi si je lâche, je rentre, je vais mourir. Et si je sens que là où je suis, je vais mourir, je préfère encore mourir là où je suis arrivé avec Dieu, et lâcher et rentrer en arrière. Amen.
Otika makambo ya kindumba wana kala. Et le lo mona ke makambo zo simbate na nzambe. Nesma yo zongela kindumba zo futa. Et on a commandé na yaka parce que baninga na biso. Là il n'y a que des cadres qui viennent. Yo mais ça na Bible. Ce qui n'a pas été fait, c'est que nous avons fait le monde. 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 Première couche. Deuxième. Nous avons fait l'exercice au temps où nous avons fait le talon. Nous avons fait le monde. Milène. Et il change. Aïe. Aïe. Kindumba ya découragement pour aussi l'embi. Kindumba passi. Oko kangote. Kangama na Yesu. Tikala wana. Amen. Zambia kuto wana. Amen. Akolongolo soni wana. Amen. Amen. Ceux qui abandonnent Rekil. Bao bati kakabashonga kasima. Nde ba eba kufa ka balamoko. Amen. Donc là, yes, balamoko boy, parce que les amas gambia yote, osana aden wanate, tu mourras. C'est là où la Bible dit, plusieurs des derniers seront les premiers, plusieurs des premiers seront les premiers. Mais ngana otoza ba premier. Amen. Tout cela est réel, il y a vos ongas simate. Et nyolo banine. Jésus-Christ viendra à un moment où amen. Ceux qui ont marché avec lui se sentiront fatigués. Toladi et Peming. Balbari Pia Koya, Zoya, Tebia. Bisevé, Tosala Lokola Bamesus. Amen. Nazona, Nogama Kambangoya, Komela Whisky, Whisky Basabisina Babi, Eza, Kosala bien en zone. C'est quand toi tu fais retour. Tant que je suis à Sima. Baoba Mela Whisky, Baoba Sala qui m'a dit que tu es le bébé Viango. Amen. Toki Nepeko. Bango ba longwe ba ye pana Yesu yo tambola ki longtemps ozongi e Yesu aye. Amen. Konela na yo e osana satana mawa kosalere wana ti. Amen. Amen. Koba. Amen. Continue à marcher. Koba ko tambola. C'est une épreuve. Et ça comme kama. Ba seki yo. Je ba seka ki ye. Amen. Et son ça qui était. Moi si le moga lobi. Ah. Singa ga nzamba. Qui va vous donner un conseil? Amen. Moi, c'est comme un calcul. C'est une épreuve pour toi. Et ça, comment on prend? Ça s'appelle l'épreuve de la grandeur. Tous ceux qui ont une histoire particulière ont aussi une vie particulière. Ils ont des souffrances particulières. Peut-être que tu ne sais pas comprendre pourquoi Dieu permet ça dans ma vie. Vous savez, des gens que Dieu donne des dons comme de guérison, de miracles, ce sont des gens que Dieu met des empreintes de souffrance. Quelqu'un qui n'a jamais souffert ne sera jamais sensible à la souffrance. Quelqu'un qui n'a jamais eu de douleur, de maladie qui l'ont fait souffrir n'aura pas la compassion aux malades. Mais celui qui connaît les douleurs, quand Dieu lui donne la grâce, en demandant à Moïse pour qu'il ne puisse intervenir dans la vie à moi. Amen. Mais quand on l'appelle qui est malade, il sortira sous le soleil, il sortira sous la pluie, parce qu'il sait que c'est lui qui est en train de souffrir. Pendant que moi je perds du soleil, lui il est en train de souffrir. Ces souffrances-là, ça cache un don que Dieu a mis en toi. Ça cache une grâce que Dieu a mis en toi. Continue. N'abandonne pas. Amen. Amen. Troisième sémence, c'était la sémence tombée au milieu des ronces. La Bible dit que cette sémence était étouffée. Parce que ça sortait au même moment, la bonne sémence et les ronces aussi. Et la Bible dit qu'est-ce qui étouffe les ronces? Qu'est-ce qui étouffe la bonne sémence? La Bible parle de trois choses. Les soucis, les richesses et les plaisirs. Beaucoup n'expérimentent pas la puissance de la parole dans leur vie. Premier handicap, c'est le souci.
Frères et sœurs, vous devez savoir, les soucis, c'est un poison contre la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit sur ta vie, son accomplissement dépend aussi de ces problèmes de soucis. Celui qui laisse le souci le dominer. Vous savez, le souci, c'est quoi? Le souci, c'est une expression de quelqu'un qui est en face d'une situation pour lui devient impossible. On a les soucis quand on n'est pas en mesure de régler un problème. On n'a pas entre ses deux mains la solution pour un problème donné. Et ça donne les soucis. Or, le souci, de l'autre côté, c'est une preuve de manque de confiance en Dieu. Celui qui a la parole de Dieu ne doit pas manquer confiance en Dieu. Il doit faire confiance en Dieu. Et faire confiance en Dieu doit éviter les soucis. Les soucis étouffent la parole. Au lieu que la parole produise des effets en toi, au lieu que tu te réveilles la nuit pour prier parce que tu sens la motivation en toi que malgré ce qui m'arrive, je sais que le Seigneur est là. Mais les soucis vont te vider la force de prier. Les soucis vont t'affaiblir. Tu verras quelqu'un, il travaillait au protocole, ne travaille plus. Non, non, je ne suis pas d'humeur. Ah, non, je ne suis pas d'humeur. Les soucis. Bah, soucis. Les soucis vont t'éloigner de ton poste de travail. Les soucis vont t'affaiblir. Tu auras des sauts d'humeur. À la maison, on dit ceci au Kateli Mutulingala. À cause des soucis. Les soucis empoisonnent la parole. Au lieu que la parole puisse produire ses effets, les soucis entravent. Ne mets pas les soucis. Et vous pensez, la femme, la première dame, peut avoir les soucis d'argent? Pourquoi il n'a pas les soucis d'argent? Parce qu'il a l'homme qui est le patron de tout un pays. Il ne se fait pas de soucis. À quoi ça suscite? On ne se fait pas de soucis de ça. À quoi ça suscite pour nous? On se fait un souci là où il y a un manque. Mais quand tu as un Dieu, quand tu as la parole, qui doit tout te donner, tu ne peux pas mettre le souci. Dès l'autre commence à mettre le souci, tu rends inefficace la parole de Dieu. Tu étouffes la parole de Dieu. Et tu ne seras plus prêt à attendre les manifestations de la parole de Dieu. Dans ton cœur, les soucis détruisent la bonté où la sémence de Dieu doit être placée. Nous devons vaincre le souci. Nous ne devons pas permettre aux soucis de nous dominer. Les soucis vont te pousser à prendre de mauvaises décisions. Les soucis vont t'amener à poser de mauvais actes. Ne laissez pas le souci. C'est comme cela, parlant des soucis, la Bible dit, les oiseaux qui ne travaillent, qui ne s'aiment, ils ne se soucient pas. Dieu qui les a créés, il pourvoit. À combien plus forte raison vous, les personnes en qui il a mis toute son affection, vous a créé à son image, à sa ressemblance. Ma soeur, mon frère, Dieu te connaît. Même quand personne ne connaît ton problème, même quand tu ne le partages à personne, Dieu connaît ton problème. Et il est à côté de toi. Il ne faut pas laisser les soucis te dominer. Prends la parole de Dieu. Mets-les dans ton cœur. Que cette parole domine les soucis. Commence à te réjouir de cette parole. Que tu ne mourras pas. Tu vivras.
commence à te réjouir de cette parole. Que tu ne finiras pas tes journées sur la terre comme ça. Ta vie finira par rayonner. Oui, accepte la situation d'aujourd'hui. Mais reste positif. Ça ne finira pas comme ça. Ne mets pas le souci. Le souci détruit le corps. Les soucis amènent les maladies psychosomatiques. Les soucis vont t'amener à la mort. Et tu ne verras plus le plan de Dieu pour ta vie. Ne laisse pas les soucis. C'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit d'anticiper. Vous savez, quand quelque chose commence à te déranger, il faut le dépasser. Je suis comme ça. Je le dépasse, je l'oublie. C'est pour ça que je me suis rendu compte, je fais garer presque 5 véhicules dans les différents garages et je me m'oublie. Parce que quand un véhicule commence à me déranger, quand je le dépose, oh, maintenant il faut, je dis, écoutez, je viendrai. Dans ma tête, je ne vais pas me faire des soucis pour le véhicule. Je considère ça comme perdu. Ce qui n'est pas aussi bonne chose parce que j'ai perdu beaucoup de véhicules. Parce que je n'aime pas détruire mon cœur. Il n'y a rien de précis à protéger que votre cœur. J'ai beaucoup de charges. Je dois bien être en contact avec Dieu pour vous. Je dois commencer le véhicule. Et le véhicule, on a dit, il faut 2652 dollars. La mémoire, je mets ça de côté. Et je me dis, le pourvoyeur, il va pourvoir à une autre véhicule. Et ça viendra quand ça va venir. Si je dois marcher avec une moto, je marcherai. À pied, je marcherai. Je n'ai pas de soucis. Non, vous, ça peut vous faire des soucis. À notre papa, il marche à pied. Mais lui-même, en tout cas, je ne laisse pas les soucis prendre. Ne laissez pas les soucis vous dominer. Jamais. Ce qui est perdu est perdu. Ce qu'on commence à perdre, qu'on est perdu, il n'y a pas de problème. Quand je perds quelque chose, je sais que ce n'est pas fini. Je peux récupérer ce que j'ai perdu fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. J'ai un Dieu qui donne toujours. Pour pas que quand tu perds quelque chose, jusqu'à ce que la chose va te tirer dans la tombe. Non, non. Cela est très important. À part les soucis, ce sont les richesses. Bonjour. À la maison, tu peux lire Luc chapitre 18. Maintenant, Luc chapitre 18. Tu verras cette histoire où le Seigneur parle à un homme riche. Un homme riche vient dire à Dieu, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour que mon âme soit sauvée? Je veux moi aussi entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit, il faut observer les commandements. En tout cas, pour les commandements, en tout cas, j'observe. Très bien. Ce qui te reste à faire, prends ce que tu as comme richesse, la moitié tu vas donner aux pauvres, tu vas faire ceci. La Bible dit l'homme devient triste. Akenda la kate. Et Jésus a dit, il est difficile et ça passe à un riche d'être sauvé. C'est comme un chameau qui doit passer dans le trou d'une aiguille. Attention, nous tous nous aspirons à la richesse. Mais la richesse a un piège spirituel. La richesse peut vous amener tout droit en enfer. Il y a des péchés que tu ne sais pas faire parce que tu n'as pas d'argent. Les jours où tu en auras, tu auras envie de goûter à ces péchés. La richesse. Bonjour. La richesse va te rendre orgueilleux. Inaccessible. La richesse. Bonjour. Va te faire voir les autres avec dédaigne. La richesse. Bonjour. C'est un danger. Et ça, les camas. L'argent n'est pas mauvais. Bon, ça m'a pété.
Attention à son amour. C'est l'amour de l'argent qui empêche aux gens de payer la dîme. C'est l'amour de l'argent qui empêche aux gens de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est l'amour de l'argent qui vous empêche à donner de bonnes offrandes. Vous devez avoir honte de venir donner à Dieu 1000 francs. Je dis toujours, tu viens à l'église avec 1000 francs. Oui, l'église a 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même le coca, le go que tu as, ce n'est pas 1000 francs. Coca et mata 2000, mais yo mukolo boye na 1000 francs. Et oya te soki coca la tinin zem pote. Bon, le lolen de boye. On va battre le kamon zem, on doit jouer la kamon zem. Ah, tu gabes soko. Ça détruit la richesse. Et peu bisa kabouji. Tu dois avoir la richesse pour la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Tu comprends donc que ce que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour toi. Ce que Dieu te donne, tu dois d'abord en premier soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois soutenir les pauvres. Tu dois soutenir les veuves, les orphelins. Tu comprendras ce que Dieu me donne. Il ne me le donne pas pour moi et mes enfants, ma famille. Un homme riche a dit, il a dit à sa famille, nous sommes devenus riches. En tout cas, nous allons vivre jusqu'à la mort. Nous n'avons plus la souffrance. J'ai beaucoup amassé. Nous allons nous réjouir maintenant. La Bible l'appelle insensé. Il a dit, tu as amassé pour les autres, pour le reste de tes années. Mais ce que tu ne sais pas, Dieu demande ton âme cette nuit. À quoi ces richesses vont nous servir? Les richesses peuvent nous empêcher à laisser la parole de Dieu agir en nous. C'est la richesse qui nous rend orgueilleux. Quand tu n'en as pas, on s'est appelé par ton pasteur, tu viens. Mais quand tu commences à avoir des richesses, tu n'as plus le temps. Non, je ne suis pas venu, j'ai envoyé. Même la dîme, tu ne sais pas que je dois mener ça auprès de Dieu. J'ai envoyé. Pour ce pauvre-là. Il faut faire attention. Ça étouffe la parole. Il y a des gens que Dieu devait les amener plus haut. Mais ils ont fait arrêter. Par la manière dont ils ont embrassé les richesses. Autre chose qui étouffe la parole, ce sont les plaisirs. Les plaisirs, mes amis. Il faut faire attention avec les plaisirs. Je n'ai jamais vu le plaisir amener les gens au ciel. Mais j'ai vu le plaisir amener les gens en enfer. Les plaisirs détruisent. Vous pouvez vous réjouir, mais faites attention au plaisir. Le diable est toujours dans nos plaisirs. Faites attention à nos sorties de plaisir. Commandez, Yakanango. Il a dit, je cherche à me faire plaisir. Dieu doit trouver plaisir en toi. Et tu sauras avec le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire plaisir. Les plaisirs détruisent la parole dans notre vie. Et la dernière chose, c'est cette parole qui tombe sur une bonne terre. Et c'est cette bonne terre que je veux. Je souhaite de tous mes voeux que tu aies une bonne terre. Que ta vie soit une bonne terre. Pour vivre le fruit de la parole. Mais pour que la vie
ta vie soit une bonne terre. La Bible parle, et de ce que la Bible dit, je tirerai trois choses, je vais finir par là. Première chose qui fera de ta vie une bonne terre. La première des choses, c'est avoir un cœur honnête. Parce que la Bible parle de l'honnêteté. Un cœur honnête. Et quand je parle de l'honnêteté, être honnête ne veut pas dire être juste. Je ne parle pas que tu sois juste. Parce que je ne cesse de dire sur cette terre, il n'y a pas un homme qui est juste. Celui qui est juste, c'est Jésus le Saint. C'est la parole de Dieu qui nous rend juste. La justice nous a été donnée par imputation. C'est comme cela qu'on dit, Dieu imputa Abraham de justice. Qu'est-ce que Dieu apprécie dans la vie d'Abraham pour le rendre juste? Ce que Dieu aime, c'est l'honnêteté. Tu dois avoir un cœur honnête pour permettre à la parole de Dieu de produire ses effets. Un cœur honnête, c'est un cœur sincère. La sincérité est différente d'être droit, d'être juste. La sincérité requise l'hypocrisie, requise le mensonge. Pour avoir un cœur honnête, il faut être sincère avec Dieu. Sincère, c'est savoir accepter devant Dieu ce que tu as fait. C'est savoir dire à Dieu la vérité de ce qui t'est arrivé. Parce qu'il connaît tout. Mais vous verrez un jour dans nos églises, nous n'avons plus de gens honnêtes. Si seulement je dis ici, je vais demander ceux qui ont fait tel péché à se mettre debout, je vais prier pour eux. Ah. La femme mariée dit, ah, mon mari va remarquer qu'il va... Non, je ne vais pas qu'on me cherche le mariage. Les gens ne sont pas honnêtes. Mais il y a un moment vers les années où le réveil était entré dans ces pays. Les gens n'avaient pas honte. Maman Rebecca, tu connais. De se mettre debout pour dire que moi, je suis impudique. Aujourd'hui, je demande... Qui les impudiques se mettent debout, on va prier pour eux. Vous êtes ici à 95%. Mais regardez comment vous allez faire semblant. On dirait que vous avez besoin de cater. 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 Dieu a besoin des hommes honnêtes. Vous avez besoin de cater. Ce qui détruit la parole de Dieu n'est plus efficace en toi. Tu n'es pas honnête avec Dieu. Tu dois être honnête avec Dieu. Reconnaître tes faiblesses devant Dieu. Entrer dans ses pieds en toute honnêteté. Vous savez, il y a certains même, ça devient toute leur vie. Ils ne se sentent pas reprochés de revenir à Dieu. Et quand même il fait sa confession, et non, il s'adresse à son ami. Dites-moi, je n'aime pas ce genre de prière. Sois honnête. Sois honnête. Et aujourd'hui, il n'y a plus de gens honnêtes dans nos églises. Ananias et Saphira sont morts par manque d'honnêteté. Vous savez, avant que Dieu vous frappe, Dieu vous donne la possibilité de la repentance. L'apôtre leur pose la question. Dans son esprit, il a vu qu'ils ont menti. Mais il pose la question. Est-ce que c'est tout ce que... Qu'est-ce qu'ils cherchaient, leur honnêteté? C'est tout ce que vous avez eu comme argent en vendant. Est-ce que...
Et ça nous aujourd'hui, pourquoi mon temps doté qui Dieu leur a donné la chance. Ils sont pas seulement d'être honnête. Bas dans la bouche long. Si seulement Ananias ou Saphir. Je dis Ananias ou Saphir. L'un d'eux aurait dit. Mon gars pour le bas. Non, ce n'est pas ça. T'es en moté. Mais on a regardé les souffrances qu'on a. On a regardé. Nous sommes. Nous étions pris au piège. On a. Il n'allait pas mourir. Dieu cherche des gens honnêtes. Mais il y a des gens qui viennent mourir à l'église. Parce qu'ils ont fait les tonga. Azokufa. Na les soum. Yo ba. Mais ça, bosunganga. Ba intéressé ba sambela pour langa. Na zoe ba te ni ezokomelanga. Oyé. Oyé bi. Ezokomelanga. Oyé bi. Viens nous dire que tu as marché dans l'adultère. Tu es tombé grosse. Tu es allé provoquer un avortement. Ça s'est mal tourné. Sois honnête. Les gens sont plus honnêtes. Et les pasteurs ont déclaré, je déclare ce ventre ici. La parole que je déclare n'a pas d'efficacité. Qu'est-ce qui rend cette parole inefficace? Manque d'honnêteté. Quand vous êtes serviteur, vous êtes intercesseur, vous priez sur quelqu'un. Priez, ça ne marche pas. Cherchez à comprendre. Les blocages proviennent d'où? Et où tu appuies? Cherchez à comprendre. Le coin. Non, t'as quoi ça? Ah, quoi y'a caca? Yo, mon quoi c'est pas mieux? Quoi ça? Pendant le négocier là. Il y a un problème. Dis comment vous allez? L'honnêteté. Au solo. Aujourd'hui à l'église, l'église est remplie des hypocrites. L'église est tombée sur le bateau. Abandonnons l'hypocrisie. L'honnêteté, son contraire, c'est l'hypocrisie. Les chrétiens caméléons, alléluia. Amen. Oui. Allô, baptême. Quand ils sont à l'église, ils sont saints. L'église, on sent tout. Quand ils sont sur le couloir Capella, au rythme du couloir Capella. Na Capella, y'a une maman commandée. Quand ils sont à Chetemba, on a colobaté. Comme votre prophète divertissait, je l'ai vu. L'avantage qu'il y a avec toi. Hier, j'étais en train de suivre la télévision par hasard. On mettait une chanson là d'un petit musicien, jeune là. Alors, j'ai vu ma petite fille qui est à la maison. Elle danse comme ça. Là. Je n'ai jamais compris ça, comment elle fait cette danse. Je les ai vus concentrés en train de regarder la télévision. Et j'ai failli se dire, oh papa, tu papa vois, laisse, papa on laisse. Veut t'expliquer, et tu vois, il s'appelle ceci, et celui-là c'est sa femme. Ah, c'est les enfants. Bana. Et on arrive, et là, mais ils étaient tous en train de faire. La petite partait, j'ai dit, oh mon cœur, ah, donc la danse, c'est ça. Il y a un robin dans la bichon. Non, papa. Pardon, papa. Mais il y a un problème. Mais quand vous allez. Choisissons des chaînes à mettre pour nos enfants. Nous sommes en train d'hypothéquer toutes les revenus. Rio, papa, maman, yaya, aucun maman, tchamoulongé, écarté bana. Épargné à venir, yabana. Tchamoulongé, na yomoko. C'est ça l'église d'aujourd'hui. La parole n'est plus puissante. On déclare la parole. T'as le bénin là-bas. 1% seulement ont senti la main de Dieu. Et les autres, vous êtes hypocrites. Vous avez des visages. Les visages de l'église.
et les visages des païens. À la maison, vous êtes comme des païens. À l'église, comme des chrétiens. Au travail, là, vous êtes à la douane, vous êtes en train de corrompre plus que les païens. Et le jour où on t'appelle que pas un frère, et même tes collègues disent que vous savez là, vous voyez, vous te bazon di mate po bangba frapaka mais yo e balobi ke me coach za kayo yo ndo ibenge ya frapaka fort na bakop parce que coach si ko ngwa balwa ah quelqu'un dit tu sais que ngala ne ko mona penza ke na muta masumu makasi mais quand je l'ai vu que ye ndenga salaka njoka za mokambi arabi se ke en tout cas ceux qui avant kota lolo nzamba ko préférer ngakiki pour yende coach na biso na coach on a chef de département d'église. Des mots cambi à protocole, des mots cambi à chorale, des mots cambi ce qui est à département. Mais coach, ça vous m'en viendrez, grand maître. Grand maître. Et autant nous sommes bien à Nino, Tabaski. Tabaski, Tabaski, oh, Nino. Alors, tu as lancé, non. Tu as passé. Un cœur bien disposé. Il faut disposer ton cœur à faire du bien. Ne sois pas comme ces riches. Ils pouvaient respecter d'autres commandements. Mais là où il fallait partager avec les autres, son cœur n'était pas disposé. Ayons de bonnes dispositions. Celui qui a un cœur sincère, il doit avoir aussi un cœur bien disposé. Disposé à faire du bien. Disposé à rendre service. Soyez serviable. Disposé. Toujours et toujours bien disposé. Et la dernière des choses, il faut persévérer dans cette parole. C'est ça être une bonne terre. Une bonne terre pour vivre le fruit de la parole se résume par l'honnêteté. Par l'honnêteté, nous voyons la sincérité. Nous refusons l'hypocrisie. À part ça, nous avons besoin d'un cœur bien disposé. Toujours disposé à servir. Toujours disposé à donner. Toujours disposé à faire du bien. Et enfin, cette parole que tu as reçue, il faut persévérer dans cette parole. Notre Dieu ne ment jamais.